Donc, l'esprit de service et l'acquisition de compétences comportementales me tiennent à cœur car depuis 15 ans, j'ai développé une méthode qui, à travers le dessin, permet de développer les compétences comportementales. Donc, ça tombe bien. Cette méthode, qui s'appelle la méthode HLDB, High Level of Drawing for Behavior, permet de décliner des formations sur les thématiques qui vous sont familières auprès des grands comptes et des PME, toujours en utilisant le dessin comme outil pédagogique. À l'issue de ces 15 ans, nous avons développé un outil informatique qui permet d'identifier le climat d'une équipe, la météo d'un groupe, l'ambiance d'une entreprise. Comment ça marche? Alors là, il faut passer le slide. Le bip. Ah, il est là, pardon. Donc, cette application s'appelle ClimaFun. Elle est rapide, ludique et simple, et anonyme surtout. Ça marche avec le dessin, c'est-à-dire que le dessin permet à un individu d'exprimer des émotions. Et c'est la raison pour laquelle ClimaFun va synthétiser des émotions pour révéler des sujets, des problématiques. C'est un prétexte, c'est un outil transitionnel qui permet d'utiliser un prétexte donc, pour aborder des sujets épineux ou délicats d'une façon sereine et réaliste. ClimaFun, vous pouvez atteindre très rapidement, rentrer très rapidement dans le vif du sujet, objectiver le subjectif et visualiser les ressentis d'un groupe à un instant T. Donc, c'est en fait une série de 4-5 questions. Chaque collaborateur va utiliser, va répondre aux questions en choisissant un dessin parmi plusieurs. Et en fonction de ses réponses, il y aura des questions supplémentaires. Donc, ça permet d'avoir très rapidement à J+2, donc en moins d'une semaine, vous avez une restitution de tout le test que vous aurez passé auprès de votre équipe. Ces restitutions vont donner des tendances, un état d'esprit qui donnera donc la météo du groupe que vous aurez sélectionné et donc qui donnera le climat de l'entreprise. Dans quel but ? Soit vous gardez juste le bulletin météo, c'est-à-dire que vous connaissez un peu l'esprit de votre équipe, soit vous avez, les tendances révèlent des besoins de formation ou d'accompagnement. Par exemple, un chef de rang va faire passer le test auprès de son équipe et va se rendre compte que la météo, très rapidement, va se rendre compte que la météo va être positive ou il va détecter un peu de mal-être. Donc, il ne va pas aborder sa réunion de service de la même façon. Inversement, le collaborateur, quand il aura fait le test, il va voir avec la restitution qu'il ne partage pas le même état d'esprit que le reste du groupe. Donc, il va s'interroger pourquoi. Et c'est en formation, en travaillant sur les émotions et sur la représentation des émotions, qu'on va arriver à faire des changements de comportement, donc les fameux soft skills. En ça, ClimaFun permet de développer les soft skills, puisque c'est des changements de comportement. Voilà, je suis allée très vite parce que je pensais qu'on était très en retard, et maintenant on joue parce que Maryse voulait absolument jouer. Alors, je vous propose de vous connecter à www.climafun.com. Soit en 3G, soit en Wi-Fi. Si c'est la 4G, ça rame un petit peu parce que selon où vous êtes placé. Mais l'idée, c'est que vous jouiez, donc je parle moins parce qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois. Voilà. Et Sandrine est en retard, j'en profite. Voilà. Vous avez encore 5 minutes et vous avez amplement le temps de jouer
et de passer ce test. C'est pas un jeu. C'est un jeu. Oui. Oui, mais c'est en même temps. Voilà. Donc, l'idée, c'est que. Ça marche? Ça marche pour vous? C'est parce que je suis en 4G, c'est ça, 4G? Oui, la 4G ici marche moins bien que la 3G. Mais de toute façon, il faut laisser un petit peu de temps, le temps que le téléphone se recharge. Qui a accédé à la fille? Là, derrière. D'accord. Il y a le Wi-Fi, sinon. Il y a le Wi-Fi, oui. Alors, le Wi-Fi, c'est le CNOSH public, comme Wi-Fi, et c'est la même chose en capital avec 1, 2, 3 derrière. D'accord. CNO. C'est le Wi-Fi de la salle publique. Et le mot de passe, c'est quoi? C'est le même en capital. Ouais, d'accord. C'est 1, 2, 3. Oui, ça sera peut-être plus pratique comme ça. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ça marche? Pour qui ça marche pas? T'entends la qualité. Hein? Ça marche pour toi? Ça fait le bec, quoi. Moi, j'ai déjà fait 20 fois. Alors, comment trouvez-vous l'ambiance dans votre entreprise? Vous êtes tous mis dans une prison, j'espère. Est-ce que... Allez-y, commencez, faites-le pour continuez, vous. Parce qu'il n'y a que 5 questions. Suivant. Il n'y a que 5 questions et à la fin, nous avons les restitutions. Le mot de passe? C'est CNOSF 1-2-3. Superbe. Non, c'est beau. Chouette. Qu'est-ce qui a terminé? Oui, ça, il y a les mains qui se lèvent. D'accord. Donc, si vous voulez, il y aura une restitution de tout le groupe qui aura participé à cette convention. Qu'on fera passer oui. En résumé. Comme voilà. Ça, vous aurez une restitution. Et à la fin de ce test, vous avez une auto-évaluation. Et si ce test vous parle et vous donne envie d'en savoir plus, vous avez la possibilité de laisser votre mail et nous vous recontacterons à cet effet. Qu'est-ce qui a terminé maintenant? Ah, il y a un peu plus. Donc ça marche. Alors, ceux qui ont eu des réponses, est-ce que vous avez été surprise de votre réponse? Non. Non. Ben non, parce que la météo, vous savez ce que vous... Par contre, est-ce que vous pensez savoir la météo de vos collaborateurs? Parce que l'intérêt, ce n'est pas d'avoir sa propre météo, c'est d'avoir l'état d'esprit du groupe, de façon à pouvoir savoir comment à quel niveau... aborder les problèmes managériaux ou les sujets. Voilà, mais bon. Eh bien, je crois qu'on peut applaudir. Bravo. Merci.
Merci.